travaille bien dans la famille. Dis-moi, alors présente-toi, vas-y, montre ton costume à tout le monde, n'hésite pas. Elle est très timide. D'abord, la même question. C'est toi ou c'est papa-maman qui a fait le costume? C'est papa et maman. Tu es content? Oui. Sur qui sont tirés les cheveux? On est d'accord. Présente-toi. J'appelle Eugénie dans Star Wars. Vous pouvez applaudir très fort. Personne ne me voit, je suis caché dans les coulisses. Comme d'hab. Théopole, Mélène. Oui, Mélène. J'ai une Mélène. J'ai un Théopole. C'est ça? Derrière. Alors. Qui suit? Super. Donc je voudrais accueillir Mélène en mutante, s'il vous plaît. Applaudissez la fois. Je t'en prie pour que les marches. Attention les marches, vas-y je t'en prie. Et Léopold, mais non c'est pas un mutant. Mais c'est Game of Thrones. Oh quand même, viens, donne-moi la main. Ça c'est pour pas que tu tombes dans les escaliers parce que ton costume. Alors Léopold, la vision, voilà. Vous pouvez l'applaudir. Et puis les marcheurs dans les escaliers, c'est. Donc voilà, Léopold. Je prends, ouais. Bien. Attention, 5 cm, contact. Derrière marche, contact. Rez-de-chaussée, contact. Et tu es arrivé à mon port. Bravo. Ouais. Qui est-ce qu'on cherche maintenant? Romy. Est-ce qu'on a Romy? T'as pas Romy? Ah, je vois des jambes. Je vois quelqu'un en complet, c'est Romy. Tu pries? Ah, je t'en prie. D'accord. Alors là, on a Romy en extraterrestre. Et bien, tu c'est toi qui posais papa en jour. C'est toi qui as fait le costume. Oui, c'est elle qui a fait le costume, donc sois fière de moi. Donc,
là, hein, je suis debout depuis demain. Alors, je vais demander au jury pour le concours d'enfants costume fait main ou cosplay de pouvoir délibérer, puisqu'après on va passer aux enfants, mais déguisement acheté. Ah oui, c'est une bonne idée. Alors je vais retourner du coup derrière. Et vous voulez que je vous les remonte tous? Ouais, voilà. Eh ben, on les remis là. Ouais, comme ça, il gagne du temps pour délibérer. C'est qui dans le chien? Vous pouvez les applaudir, ils sont tout petits, tout petits. Super. Donc voilà. Ah, je vais le créateur. Alors, ici là. Ah, pas fini, pardon. On va attendre. Sinon ça va vous? Moi je suis pas du tout fatigué. T'as raison. Ah non, mais ça y est, là, je m'assois. Là, tout le monde a choisi. Ils ont choisi. Alors, vous avez tout. Alors, du coup, le sélection de la mutante. Donc, la mutante. La mutante. Qui est la gagneuse. Bravo! C'est le principe d'un concours qui est un peu... Bravo à toi. Donc voilà, et pour leur courage, tous les enfants sont récompensés. Même le chien. Il y aurait une galette de boulot. Je vais meubler et m'asseoir. Ouais, ça va. Je m'enlève quand je veux. Ça va? Ça va? Oui. Ah, ça nous fait du bien. Donc ça, c'est de l'énergie pour nos batteries. Parce qu'il faut que... Ouais, on décolle pour trouver notre chemin dans l'espace et le temps. Donc on va avoir besoin d'énergie. J'espère que ça vous a plu. Alors si je dis ça, c'est genre c'est fini. C'est encore fini, hein. C'est pas encore parti. Mais je vois plein de monde, c'est génial. Pour l'instant, ça se passe bien. Vous allez voir d'ici une demi-heure, il va faire 62 degrés ici avec un truc de 120% à peu près. Mais tout va bien se passer quand même. Ça y est, j'ai fini de meubler. Oui, je suis sûr. Oui, je sais que tu souffres avec ton costume. C'est pour ça que je mets plus le casque quand je viens ici. J'ai pas la clim. Donc on va passer au petit loup, mais déguisement acheté. Donc on va appeler Perle en Harley Quinn. Waouh, on vous plaît. L'appeler Sélène en Mario. Elle applaudit ça. Spider-Man. T'as perdu Spider-Man? Ouais. T'as regardé au plafond? Nolan? L'autre? Comment? Nolan? Nolan, ouais. Nolan en Spider-Man. Est-ce qu'il y a un petit Nolan parmi vous? Spider-Nolan. Regarde au-dessus, dans le couloir peut-être. Sous la scène? Au-dessous, au-dessus. On cherche Nolan. Spider-Nolan? Nolan en Spider-Man? Bon, ben, on va voir. Une fois, deux fois. Adjugé au monsieur là-bas avec la chemise bleue. Bon, ben, suivant.
Alors là, j'ai Victoria en mercredi dans la famille Adams. C'est là, je veux dire. J'ai Raphaël en Iron Man. C'est les deux ou quoi?
Bah, cosplay fait main, c'est la catégorie. Là, on a deux catégories à chaque fois, c'est fait main et les costumes qui sont achetés. Oui, c'est les deux en même temps. Entre cosplay, fait main et acheté. On va où ? Là, pour l'instant, c'est le fait main. Je vais où ? Fait main, faut qu'on fasse un pourcentage, je crois que c'est fait main et... Je crois que c'est de ce côté-là, hein, je crois. Fait main ? Oui. Comme tu veux. C'est vous qui choisissez votre catégorie, en fait. Il y a du fait main. J'impose rien. Comme tu vois. C'est pour toi. Bah, est-ce que tu vas plus à l'aise sur, pour mettre en avant le fait main ou la partie achetée ? Surtout la partie flemme. Pardon ? Surtout la partie flemme. La partie flemme. Flemme. Faudrait qu'on y pense. Catégorie flemmard, pourquoi pas. Ben, je crois qu'en priorité, c'est les flemmes. Qui peuvent, pour les costumes les plus encombrants, qui peuvent passer par là si vous voulez. Ça évitera de passer l'écran et tout. Voilà. Donc tu peux venir vers moi si tu veux. Voilà. Je suis pas sûr de ma phrase. Attention. On a un pénuit dans la poche. Là c'est les individuels, hein. C'est pas les coups. C'est pas ça. Donc attendez, je vais vérifier que je dis pas n'importe quoi. Ça c'est les individuels, hein. Ok, c'est les individuels. Individuels, costume, fait main. Allez, bonsoir. Je débarque. Donc je répète. Individuel, costume, fait main. Allez. C'est la scène, vous étiez au cœur moi-même. Ça y est, ça y est. Excusez-moi. Oui, je vais appeler. Améline, à Saint-Rien. Améline, en Soria. Saint-Rien. Améline en Soria, c'est ça? Ah, c'est toi? Ah, mais c'est pour ça que tu veux la réponse, c'est que tu sais pas 50-50. Je sais pas, elle me dit. Ah, moi je lis ce qu'on m'a marqué. Oui, Saria, pardon. Ah, ça fait du bon, continue. On va pas t'attendre qu'un jour quand même. Je t'en prie. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Il y a un côté féminin et un côté flemme. J'avais la flemme de mettre le costume en entier, donc j'ai pris des habits tous les jours et j'ai fait la version tous les jours. C'est bien aussi. Oui, pyjama, c'est un peu plus. Voilà, ça c'est là, ça c'est là, ta perruque. Et voilà. Pour Saria, ce costume flemme main. Je vais accueillir Aurélia en pinata. Aurélia en pinata. 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 Ah, si elle est pas très en costume. Ah, moi elle est inscrite comme ça. Donc elle est pas en Inata, elle est pas en Pinata, elle est pas là. Très bien. Bon bah. Voilà. Très bien. Ah, ça c'est fait. Alors, je vais accueillir Ilan en Tika. Merci. Tu fais pas l'interview, tu tends pas l'interview. Non, j'étais ailleurs. Non, non, mais c'est pas ça. Je lis mes notes, j'ai oublié mes lorgnons. Est-ce que je peux hein? C'est pas, c'était juste pour te troller parce que tu vois, c'est très rigolo d'interviewer les mascottes comme ça. Ah là, t'es nul. La première fois, t'es nul. Bon, bon, bon. Voilà.
On va faire la question. C'est qui a fait le cosplay? Pas moi. Voilà. La classe. Mais c'est quand même fait main. C'est lui qui me l'a fait, c'est un ami. Tu l'as fait? Oui, on l'a fait. Voilà. Il a été fait main, mais pas avec amour et tout. Exactement. Voilà, pour le dire. C'est chouette. Donner le nom du copain parce qu'il devrait être fier. C'est Gauthier Gouze sur Instagram. Ok, et ben voilà. Merci. Ça va tomber. Donc j'ai Jessica en Ewok dans Star Wars. C'est le modèle grand qu'on ait trouvé. Mais la boutique, parce qu'elle a chaud. La boutique, la boutique, la boutique, la boutique, la boutique, la boutique, c'est elle, de la tête, qui est... Je lui demande pas, hein, je suis
été mieux. Oh. Encore neuf. J'avais mis en champignon. Une question, la même. C'est toi qui l'as fait? C'est mon tout premier spécial. Bravo. Chapeau. Je suis fatigué, je vous ai dit. Ça va être Julie là, pas de stress. C'est chaud, hein. Dans la température, que là, Julie, moi, je suis content de mettre à votre place. Hein. Parce que devoir trancher ce qu'on vient de voir, c'est pas gagné. Hein. Ça se bouscule. C'est que c'est qu'on est. Donc après, pour la dernière, je vais l'applaudir, c'est Amélia en poison ivy. Amélia en poison ivy. Avant d'annoncer peut-être le gagnant,
peut-être des remarques par rapport à des questions, des costumes, des choses où vous êtes dit « Ah, ça s'est joué peut-être sur certains costumes, des choses comme ça ?» C'est quoi la peine de le dire ? Tous, tous bon, on voit qu'il y a un grand temps de travail en fait sur chaque dossier. Voilà. Donc déjà, rien que pour ça, bravo. Ouais, bravo, bravo. Bravo. Le coup de cœur ou pas ? C'est à la fin, le coup de cœur. Le gagnant. Le gagnant. Ah. Toutes les catégories, ça va faire un bien. Donc, le gagnant. Mais ça va juste le gagnant. Vas-y. Ah non, c'est possible si t'as oublié le prénom. La demoiselle avec son armure. C'est bien. C'est Alexia. Alexia. Le Monster Hunter, bien sûr, pas le Seigneur des Anneaux. C'est le mec, c'est le droit. Ah, parce que vous trouviez qu'elle avait pas assez d'armes. Ben non. Voilà, la clé du bonheur. Bravo encore une fois, on insiste là-dessus. Bravo vraiment à tous les participants pour cette catégorie. C'est, si vous n'êtes pas d'accord, c'est eux qui ont tranché. Voilà. Mais encore une fois, c'est, y a le côté compétition, mais chapeau tout le monde vraiment pour votre travail. Merci de vous prêter à ce jeu-là, qui n'est pas évident, mais c'est aussi. Et puis je pense qu'on va libérer la scène pour la catégorie suivante. On peut les applaudir toutes et tous, encore une fois. Bravo à vous. Et la catégorie suivante, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que ça va être des costumes achetés, ce serait logique. Adultes, costumes achetés, peut-être. Je vais me renseigner, je vais dans les coulisses, je vais faire mon Nicolas Hulot, je suis actuellement direct des coulisses. La température y est infernale et je me rapproche d'une organisatrice. Quelle est la prochaine catégorie ? Eh bien, c'est les adultes au déguisement de l'acheter. D'accord, voilà. Les adultes en déguisement, HP, on va appeler Eva en plume. Eva en plume. Vous pouvez l'applaudir. Je suis fatigué, je suis là depuis après-demain, je me coucherai hier, voilà. Ça va ? Bien. Ok, un petit mot sur ton costume, des remarques, des choses comme ça ? C'est plein d'éléments partout, et un petit différent. Et du Volvic à la fraise aussi. Et t'as du Volvic à la fraise. Attention, pour le jury, peut-être tentative de corruption de Volvic à la fraise. Ok, super, merci. Parce que c'est imprononçable, mon gars. Amandine en princesse Peach aux cheveux bleus. Non. Non. Dis-moi. Merci. À tes hardcore là. Je
ne sais pas, un mot sur est-ce que c'est un truc tout fait en pièce, une combinaison. Alors à la base, c'est un cosplay de Princess Peach, que j'ai cosplay avec la perruque de Miku. Je voulais faire une perruque parce que je suis fan de Miku. Donc. T'avais raison, sur Peach aux cheveux bleus. Merci. Merci à toi. Alors, on va accueillir Capucine, votre perso dans Star Wars. Vous pouvez l'applaudir à la très bonne. Je vous propose un truc, regarde, des fois de dos. Voilà, comme ça on va faire l'interview comme ça. Genre, ça regarde chacun, il y a pas de moi. Ça va? Ça va. Ok. Moi j'aurais dit mercredi Adams avec un sabre laser. Comme ça. Donc, acheter, mais création de personnage. Ouais, voilà. Oh, pour l'instant, pas d'histoire. Peut-être futur vainqueur du coup, si jamais. Merci. On peut l'applaudir? Nous allons accueillir Robin en Thor. Pour info, quand j'ai été voir le film, du coup, je pense qu'on a beaucoup eu la même réaction, je me suis dit, le monde du cosplay va changer. Les conventions Marvel et tout vont changer. Et il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir enfin accéder à ce monde merveilleux du cosplay. Comment ça va? J'ai enfin trouvé un costume à ma taille. Voilà, j'avais raison. Merci à toi. Donc, acheter, décor en une pièce, ce combo, comment c'est? Acheter le costume, essayer, trop petit, et du coup j'ai dû m'adapter. D'accord, super, merci. C'est chouette. Merci. Merci à Marvel à penser à l'univers du cosplay. Très bien. On en veut d'autres des idées comme ça. Donc on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, je vais demander de réfléchir. Et vous les ramenez, oui, je vais les ramener. Oui, on va les ramener. Je vais descendre la scène, du coup, pour faire de la place. Allez, hop. Tout le monde sur scène. Vous pouvez les applaudir. Merci. Pas de tentative de corruption du jury, s'il vous plaît. Non, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas assez d'argent offert. On veut plus. Alors, mademoiselle chapeau, non. Du coup, le gagnant, c'est Plume. Plume ! Bravo ! Félicitations ! Comme quoi, la corruption en volvique à la presse. Ah, il fallait tout jouer là-dessus. Bravo ! Bravo à Poucat et bravo à Plume. On peut les applaudir. Et la catégorie suivante, ceci. La catégorie suivante, on me dit dans l'oreillette, à ton avis. Donc, on va appeler tous ceux qui sont inscrits sur la catégorie, à ton avis. Ah, groupe. Groupe. Groupie. Groupe audio. Groupe audio. En un mot. Groupe audio. Bip, 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 bip. C'est bon, tout se passe bien. Oh. Alors ce qui va être rigolo, c'est quand on va tous les amener sur scène pour la décision finale. Ouais, ouais, en dernier ou en premier. Hein. Oh, les marches, ça va être chaud, là. Alors là, on va accueillir la relève. Tu le jure, la relève. Tu le sens, Valérie, Thomas, Maxime, en quoi? En chouin, d'accord. Tatouille, donc,
Hey, c'est pas la relève, ça. Ah, mais le casque s'ouvre. Et maman. Papa et maman, le courage de faire tout ça. Moi, je me demande ce que fait la protection de l'enfance en France. On dit merci à maman qui travaille. Pendant que tu t'amuses. Vous pouvez applaudir. Bravo. Si on a des réalisateurs dans la salle de films d'effets spéciaux, moi je veux bien un remake de l'épisode 6. Ça peut être trop fun. On fait. Eux, en Stormtrooper, dans le remake, et les Ewoks de tout à l'heure. Ça va être autre chose, hein. Ouais, mais là. Là, c'est plus crédible que les Ewoks qui gagnent. Alors, moi, je vais accueillir Romain, Pauline, en Tokyo Ghoul. Vous pouvez applaudir. Attends, je monte, j'arrive, attention, parce qu'on va poser 2-3 questions. Ouais, je te laisse faire. Je te laisse. Ça, tu veux le faire? Non, vas-y, fais-le plaisir. D'accord, je me fais plaisir. Attends, faut que je prenne place. Ça va, c'est pas dangereux? Ok, super. Par qui je commence? Peu importe. Toi, t'as un masque, mais c'est pas grave. Ça va, bonjour? Bonjour. Comment tu t'appelles? Romain. C'est pratique pour le linge, ça. Oui, mais c'est... Tout fait main. Oui, en effet. C'était long, très long, au niveau des écailles. C'est... Il y a 2200 écailles. Et on a 3 fois, 3-4 fois de l'écaille. Ça va, c'est pas trop long. Ouais, je vais avoir la mosquée après, mais ça va aller. Non, mais on a pris plaisir à faire ça, et ce qu'on voulait, c'est absolument avoir des personnages complémentaires, d'avoir Kaneki avec sa copine, comme dans l'animé, donc et tout le cas. Bah, je vais aller voir tout le cas, en tout cas. Ouais, ça va, hein, ça va. Quand tu auras mon level de fatigue, tu verras, toi aussi, ça te fera rire. Ça va? Ça va. Très bien. Le vrai nom, c'est? Toka. Mais non, toi, ton nom. Moi, Poli. Voilà, Pauline, je sais, c'est pour arrêter. Mais non, mais... Alors là, non, tu vas trop loin. Non, je veux dire, c'est moins fantasy, c'est moins tout ça. C'est très bien, Pauline, j'arrive. Ouais, je m'en fous. Très bien, tu veux nous parler de ton costume? Alors, pour le coup, ce qui était drôle, c'est que moi, c'est pas moi qui ai fait mon costume, c'est mon copain, et moi, j'ai fait sien. C'est un mélange un peu spécial, mais en tout cas, on s'est entraîné pour faire le costume, et moi, les miens, il faut savoir que t'as mis beaucoup moins de temps. Forcément, il n'y a pas de mise écale. Mais sinon, Demien, il est un peu mouvement bien, on peut s'amuser à lui donner la forme qu'on veut. Il est, maintenant, il y a une armure qui est en métal. Il permet de bouger comme on veut. Chouette, hein. Là, vous faites un peu de boucle, travail d'équipe de la conception aux portes sur scène. En plus, le chapeau, tu rigolais pour l'ostéo, mais... quand même. Ah, tu peux articuler aussi les bras. Oh. Ah ouais, quand même. Hein. Ça stresse là, hein. On se demande ce qu'il va y avoir derrière. Hein. On dit ouais, le petit loup, c'est forcément les gagnants. Et là, bam, ça s'impose sur scène comme ça. Bravo, on peut les applaudir. Merci à vous. On se retrouve dans une demi-heure pour pouvoir avoir le set de prendre des ailes. Doucement, doucement, attention. Par un accrochage, quoi. Proche, cool. Bon, les prochains, je vais te laisser faire. Oh non. Eh ben si,
Donc c'est toi qui vas le faire. Moi, je vais aller me cacher. Ouais. Merci. Bon, mesdames et messieurs. Meilleur. Bah, que dire de plus? Non, faut que je reste impartial. Nous n'avons pas réellement le choix, puisque nous sommes, comme vous le savez, en partie sous leur contrôle. C'est sûrement eux qui sont responsables du crash de l'USS Gorgolev dans les années 70 dans les Hauts-d'Auxerre. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir les représentants de la Syrienne Légion. Première question, après je passerai sur les questions des costumes. Moi, au niveau de la préfecture et des services de police, combien je dois déclarer de disparition officiellement? On compte plus. Je suis en vacances. Moi, je suis en vacances. Et vous avez vu cette année? Vous avez vu cette année? On a sifflé ça en chili, c'est passé crème. Personne n'a rien vu. Super. Merci. Donc, la Syrienne Légion, un petit mot quand même sur l'équipe, sur l'orga, la conception des costumes et puis du concept de votre groupe. Qui c'est que vous parlez? L'association de fans de la Syrienne Légion, fans de B, la série des années 80. Concernant les costumes, c'est fait par notre couturière personnelle de la Syrienne Légion. Guillaume de tout à l'heure! Le costume des WOP, vous avez vu tout à l'heure. Le croisement entre un niveau qui est un outil. Ouais. Tous les costumes, les armes, bah, c'est tout en résine, tout en fabrication, un peu en 3D. Voilà, ouais. Merci. Quelque chose à rajouter? J'ai peur. Bon, en tout cas, je suis content que vous soyez tous venus parce qu'on ne s'attendait pas à un buffet WOP aussi grand. On avait dit qu'on en parlait pas, ça. Non, bah non, bah c'est bon. C'est beaucoup plus compliqué de courir après son plat. Ouais. Quand tu vas au McDo, c'est à ton burger qui fait. Non, donc on fait comme d'habitude, on fait avec toi. Non, mais je suis sûr qu'ils sont, tous contents de rester là avec nous, ils vont être bien. Merci. Je ne transfère pas que pour la chaleur. Merci à vous. À tout à l'heure. On peut les applaudir. Attendez pas, on n'est pas de l'épargne du travail. Si la partie roleplay, qui, pour information, ils ont tenu pendant tout le salon. On fait des légendes, faire des contrôles, des choses comme ça. Je vais essayer de récupérer ma collaboratrice. Ça y est, ils sont partis. Tu peux revenir. J'ai peur, à chaque fois qu'ils viennent. Bien, je sais. J'en ai marre à chaque fois qu'ils viennent. Donc on va accueillir le couple de Fury, s'il vous plaît. Parfait. Un groupe au poil. Alors pour la blague, je sais si je vais poser des questions, mais c'est pour autre chose, parce que tu peux juste te mettre le profil et montrer le... Ah ouais. Quand même, souci du détail, hein. Ça va? Ok, ça va? Un peu chaud. Un peu chaud, on va faire vite alors. Tout fait maison? D'accord, donc toi, il y a une autre personne qui l'a fait et tu as fait celui-ci. Qu'est-ce que compris? D'accord, impression résine sur un visuel, conception visuelle et tout, les articulations, tout ça. Chouette, hein? Ok. Un autre mot à dire sur votre costume? Ok, très bien. Je vous invite aussi, parce que je le dis, on a le stand de la Syrienne, on a le stand des Furies que vous pouvez retrouver dans le salon. Si vous voulez voir plus en détail, discuter avec eux, n'hésitez pas. Quoi dire d'autre? Voilà. Ah, ouais, très bien. Ouais. Merci à eux, on peut vous applaudir. Je suis vite parce que je sais que c'est un enfer là-dedans. Merci à vous, faites attention à son temps pour les marches. On en est où? Thank you.
Allez les gars, on appelle les squats. Bon bah, on va se faire squatter. Moi j'ai rien fait. Et bah déjà, vous faites quoi l'année prochaine? Pour la sécu? Parfait, super. Bonjour, enchanté, à qui ai-je l'honneur? Alexandre. Très bien. Okay. Le patron. Le patron, très bien. Que dire sur le costume? C'est beaucoup de recherche. En fait, on a fait énormément genre la série, le film, et ce qui se fait en réalité. Ok, mélanger fiction, réalité, la série, le film, pour trouver un tout global, cohérent. Ok, super, chouette. Une partie d'un groupe, dans un peu envers deux. Pas encore, après on espère pouvoir agrandir un peu l'équipe, parce qu'on est qu'à deux. Et puis après le gros projet, c'est le film. Ah, il passera pas sur scène, je vous le dis. On le mettra dehors, on verra peut-être un jour, on fera une catégorie concours de véhicules en costume, peut-être. Bah, merci, vous voulez dire un mot peut-être? Il a tout dit, parfait, on peut les applaudir. Alors on va accueillir Neverseal. Neverseal. Ah bah oui, Neverseal. Allez garçon. C'est ceux qui nous ont moisi la salle du cou avec des millions de petites billes blanches comme ça. Personne va te manger, je te jure, vas-y. Voilà. Salut les gars. Ça va? Je m'écarte pour les photos, mais là on a des champions. Bon, première chose, que dire sur les costumes? Pas grand chose. Pas grand chose. Sévère, on ne voit pas dans la forêt. Très bien, parfait. Le concept de départ, c'est quoi? Je crois qu'à la base, c'est sur le terre-saut, c'est ça? Tu vas aller voir monsieur là-bas. C'est vos tenues quand vous allez jouer le week-end? C'est vraiment comme ça, c'est une jeune roue dans la nature, on est dans les bois, on est comme ça, et on joue au cowboy et l'indien, des grands enfants. C'est qui fait l'indien? C'est toi qui es l'indien, tu t'appelles lui. Très bien. Merci. On va pouvoir les applaudir et moi pour ma part vous remercier pour plusieurs choses. Déjà, merci pour le stand là-haut, vous pouvez les retrouver juste après l'application là. Le stand de tir, vous pouvez aller les voir. Ils sont géniaux. Merci pour ça. Merci pour le coup de main sur l'installation. Vous êtes des chefs. Merci à vous. On peut les applaudir. Et merci. C'est sur départ, arrêtez nous. C'était les derniers. C'était les derniers. Donc réfléchissez. Ah et du coup, oui, si vous avez envie de jouer aux cowboys aux indiens avec les bus, bah, vous allez voir. Voilà, pas hésiter, allez les voir. Et moi, je vais faire de la place. Parce que moi, ça va être compliqué. Allez. N'oubliez pas le jury, hein, bien sûr, là, on s'est pas embêté à les remonter sur scène, mais voilà. C'est compliqué. On l'entend. Voilà. Qui va lancer? Alors, je sens que je vais disparaître après cette annonce, mais on peut gagner Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul! Voilà. Tokyo Ghoul! Bien sûr, évidemment! Vous savez à quel point c'est compliqué de trancher. Merci toutes et tous pour la participation. Merci les petits loulous. On rappelle, n'oubliez pas, il y a encore la catégorie coup de cœur qui peut-être dans tout ce qu'on a vu jusqu'ici récompensera.
Pour la petite anecdote, pour les petits loups là-bas, ils repartent pas les loups, ne vous inquiétez pas. Ils étaient en cosplay le groupe, mais on les a comptés, ils ont leur lot aussi pour la participation. Voilà, merci, on peut applaudir tout le monde, merci à vous. C'est les personnes âgées? Non. Non? Si? Il y a Gandalf qui arrive. Très bien. Je vais vous inviter, qu'est-ce qu'on fait? On descend de scène, on reste, on... Bah, après, voilà, je vous donne le coup de cœur du jury quand même, parce qu'il y a une récompense pour le coup de cœur du jury, et après on annoncera le coup de cœur du public. D'accord. Donc le coup de cœur du jury, de tout ce qu'on a vu. De tout ce qu'on a vu. Alors c'était déjà chaud de trancher par catégorie. Un qui n'a pas gagné pour l'instant. Oui. Oui. Mais tout ce qu'on a vu là, jusque là, un coup de cœur. Franchement, c'est juste trop bien que ce soit acheté ou fait main. C'est génial en tous les cas. Continuez de vivre votre passion à fond. Puis c'est cool aussi de voir des tout petites aussi participer. C'est trop bien. Enfin, c'est génial. Donc voilà, juste continuez. Voilà. Du coup, vous avez tranché? Oui. Ah, vous avez réussi. Je sais pas qui annonce. Moi, c'est la dernière année que je fais ça. Très bien. Le coup de cœur sera la champignon. La champignon. Hein? Quoi ça arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vraiment. C'est pas possible. Je me dis pas si tu as fait ce que tu as gagné. Qu'est-ce qu'il y a? T'as gagné? Ah! Oh! Regarde, t'avais déjà une main de prise. Voilà, la clé du bonheur. Une les yeux, ça, non? Pas percé. On peut l'applaudir? Encore une fois, bravo. Alors, vous faites le faire plein de poils. Public, c'est ça? Oui, et donc, moi, je vais annoncer le coup de cœur des visiteurs et du public. Ah! On entend vous? Donc, il va appeler Romain et Pauline. Encore? Ah oui, je ne peux rien. Bah ouais, bah c'est le public. Alors si vous n'êtes pas d'accord entre nous, quand il y a ça, entre nous. C'est beau. C'est beau parce que c'est beau l'amour. C'est moi. Et ben voilà, pour votre amour et votre travail, la clé du bonheur. Voilà, vous tapez pas dessus avec quand même, parce que ça fait mal, c'est un peu lourd. C'est bon comme finalité du coup. Elle qui fait son costume, lui qui fait le sien, parce qu'il est pas bête quand même, c'est que j'ai 2000 et demi. Je vais faire les aides. C'est tout confondu, si vous n'êtes pas. Là c'est le. Je dis ça pour la série, c'est le public qui a voté. Voilà. C'est de leur faute. Ouais, je suis désolée. Non, encore une fois, je rejoins totalement ce que dit l'une des membres de notre jury. On va aussi les remercier. Oui, merci. On va les applaudir parce que merci à vous trois. C'était vraiment fatigant comme à chaque fois de brancher. Merci à vous, encore bravo pour votre victoire du public, c'est grâce à vous. Et je pense que je vais rejoindre l'ensemble aussi d'organisateurs. Pour ma part, remercier, s'il vous plaît. Ah, même, il n'y a plus de place. Bip, bip. Ces trois demoiselles qui sont là. Voilà, pour les photos et tout. Les trois demoiselles que vous voyez là, qui se sont occupées de l'organisation en amont, de tenir le stand tout le week-end, de faire les photos, les inscriptions, de comprendre les cosplayers qui viennent voir dans tout le monde. On a pris LV2 cosplayers. On a pris LV2 cosplayers, c'est ça. Merci à vous trois pour cette organisation et pour tout le monde. On peut les applaudir. Merci effectivement à tous les participants. Et merci à vous pour là, de venir, de participer, de faire les votes, de faire tout ça.
merci dans l'ensemble, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de s'adresser à vous en tant que public, merci de venir, à ceux qui découvrent le salon, merci à ceux qui reviennent, qui ramènent des gens, merci à vous, parce que tout ce qu'on fait là, le concours de costumes, le salon lui-même, toute l'organisation, tout ce travail sur une année pour refaire tout ça, on le fait pour vous, en partie aussi pour nous, mais on le fait pour vous, et on est content d'apprendre que c'est apprécié, que ça se passe bien, d'ailleurs vous revenez, donc merci pour vos retours, pour tous les messages que vous nous transmettez, que ce soit pour dire c'était nul, il n'y avait pas de clip cette année, c'est pas grave, on le prend bien, et puis pour les autres messages que vous mettez sur les réseaux sociaux ou autres, merci du fond du cœur, de l'ensemble de l'organisation, et on va applaudir une dernière fois, mais vous, voilà, merci à vous. Nous, il y a toujours de la place dans l'association de Paris. Vous êtes tous les bienvenus. Ouais. On n'est jamais assez débile pour être voilà, ici. Voilà, c'est ça. L'équipe de Bratia Célosaire, c'est chez nous. Merci à vous de reprendre le cours normal de votre vie. On vous a en partie pour vous rendre compte.